tous, aujourd'hui du coup nouvelle vidéo YouTube, on va avoir un cours plutôt à visée cardio, donc pour tout public. Donc on va commencer par une phase d'échauffement en musique et après on va enchaîner avec différentes phases cardio entrecoupées de temps de récupération, à peu près 1 minute, après étirement et après je vous laisse tranquille. Bonne séance à vous. On va commencer par une phase d'échauffement, écarté et poussé. On vient sur le côté, on revient et de l'autre. Ouvrez, grandissez, enroulez les épaules, on resserre les pieds, on vient sur le côté. On insère les bras et on vient un peu plus bas. Même chose, talon fesse, pose, tape. On cherche à faire monter le cardio et à déverrouiller les articulations. On reste et squat, pose et on lève. On reprend talon-fesse, pose, tape. Et on vient chercher un peu plus bas pour retrouver le squat. On reste sur place. Course. Et on avance. On rajoute en montée de genoux. Donc on vient bien lever les genoux au niveau des hanches ou au-dessus. On avance, que des courses avant. Et on recule. Encore. On vient vraiment toucher les talons avec les fesses. Tu les fesses avec les talons. Encore, avance et on recule. Avance et dernière, on recule. On reprend monter les genoux. On reste squat. Que des petits. Là, je vous montre tous les exercices qu'on va avoir dans l'enchaînement. On reprend le genou plus haut. On reprend les squats sautés, pose et saute. On cherche vraiment la puissance
Même chose avec les demi-tours. Pause. Cours sur place. Donc ça, c'est nos trois éléments principaux. Les montées de genoux, la course sur place et les squats de chaque côté. On reprend la montée de genoux progressivement. Et on y va pour 8 temps. On avance. Et les squats sautés. Pause, pause. Et on recule. Genoux. Pousse avant. Et squat. Pause. On recule. Encore, on reprend. Squat. On en a 4 en tout. Et on recule. Ok, voilà. Récupérer. On aura vraiment un vrai temps de pause après cet enchaînement. On reprend, montée de genoux. Et on avance. Et les squats. On recule. Et on reprend les genoux. On avance. Activez les bras. Les squats, 4, 3, 2, 1, on recule. Dernière. On avance. Et relâchez. Et on y va pour 8 temps. On avance. Et les squats sautés. Pause, pause. Et on recule. Genoux. Pousse avant. Et squat. Pause. On recule. Encore, on reprend. Squat. On en a 4 en tout. Et on recule. Ok, voilà. Récupérer. On aura vraiment un vrai temps de pause après cet enchaînement. On reprend, montée de genoux. Et on avance. Et les squats. On recule. Et on reprend les genoux. On avance. Activez les bras. Les squats. 4, 3, 2, 1. On recule. Dernière. On avance. Et relâchez. On reprend ciseaux. 1, 2, 3, jumping jack. 4, 3, 2, les sauts, jambes 2. Et burpee. Encore ciseaux. 4, 3, 2, jumping jack. Et saut 2. Et burpee. Il est lent le burpee. Les sauts et burpee. Ok, on enchaîne plusieurs fois, je ciseaux. Jumping jack et les sauts.
burpee. On reprend ciseaux. 4, 3, 2, jumping jack. 4, 3, 2, et saut. Burpee. Et on reprend. Jumping jack. Et les sauts. Burpee. On reprend ciseaux. 4, 3, 2, jumping jack. 4, 3, 2, et sauts. Burpee. Donc on a fait la partie 1, montée de genoux, course, squat sauté et on recule. Et la partie 2, vous avez fait les ciseaux, les jumping jacks, les sauts et le burpee. Dernière partie d'entraînement, on va assembler la partie 1 et la partie 2. Ok ? On va prendre ensemble la partie 1, montée de genoux. On avance. 4, 3, 2, les squats. Pause, pause. On recule. On reprend partie 1, genou. On avance. Et les squats. Encore deux fois, montez genoux. On avance. Est-ce qu'on se remet la partie 1 en tête? Pause. Dernière fois, on avance et squat. On enchaîne partie 2, ciseaux. Jumping jack. Des sauts. Burpee. Ok, relâche. Partie 1 et partie 2. Maintenant, on va enchaîner plusieurs fois. Reprenez. Genoux. Et on avance. Squat. On recule. Et ciseaux. Jumping jack. Ah, c'est pour se la remettre en tête. Les sauts. Et burpee. Plus intense. On avance. Continue la partie. Et les squats. On recule. Partie 2, ciseaux. Jumping jack. Les sauts. Et burpee. Encore partie 1. On avance. Et squat. On recule. Partie 2, ciseaux. Et saut. Et burpee. Intense. On avance, continue la partie et les squats. On recule. Partie 2, ciseaux. Jumping jack. Les sauts. Et burpee. Encore partie 1. On avance et squat. On recule. Partie 2, ciseaux. Et saut. Et burpee. Plus intense. On avance, continue à partir. Et les squats.
recule. Partie de ciseaux. Jumping jack. Des sauts. Et burpee. Encore partie. On avance. Et squat. On recule. Partie de ciseaux. Plus intense. On avance, continue à partir. Et les squats. On recule. Partie de ciseaux. Jumping jack. Les sauts. Et burpee. Encore partie. On avance. Et squat. On recule. Partie de ciseaux. Des sauts. Et burpee. Cet entraînement, on va passer par la phase d'étirement. Donc debout, jambes écartées, on inspire, poussez, grande inspiration et soufflez fort. On va réoxygéner tout ça. Venez sur le côté. Ouvrez l'épaule vers l'arrière, le regard complètement de l'autre côté et on revient. Même chose de l'autre côté. Et revenez. Relâchez les bras. Écartez un peu plus les jambes et on va venir fléchir la jambe droite. Tournez-vous sur le côté, la fente, on genou bien au-dessus de la cheville et on enfonce le bassin vers le sol. On revient de face et de l'autre côté, jambe gauche, on fléchit. Vous devez sentir l'étirement dans l'intérieur de la cuisse de la jambe tendue. Et même chose, on vient enfante sur le côté, genou arrière au sol, genou avant bien au-dessus de la cheville. Et on enfonce le bassin vers le sol. Revenez de face. On resserre les jambes. Tête en bas. Et on déroule tout doucement. La colonne, enroulez la tête, enroulez les épaules, poussez les bras vers le plafond, relâchez, attrapez vos mains derrière et ouvrez la poitrine. Amenez les mains devant, poussez et avancez les épaules. Montez vers le plafond. Et relâchez. Bravo à vous.